Salut à tous, c'est Skyros, hey, comment ça va? Non, attends, vas-y, je vais la refaire, putain, je me suis gouré. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'était Tarpreveillant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept, quelque chose que vous avez sûrement jamais vu. Ça concerne ce petit objet, donc essayez de trouver dans les 30 prochaines secondes à quoi ça sert et vous me direz ce que vous avez trouvé dans les commentaires. Du coup, on se retrouve là pour une petite vidéo sympatoche dans le sens où en fait, on nous parle de sobriété énergétique, du fait de moins consommer, moins polluer, moins dépenser d'énergie. Et moi, je me dis que d'un point de vue personnel, je peux le faire. La famille, les amis, à l'échelle des éclairages d'un appart ou d'une maison de consommation, on peut le faire en général. Mais je trouve ça dommage que les entreprises en général ne le fassent pas tellement. En tout cas, pas celle de l'industrie parce que ça peut être compliqué à faire et je peux comprendre ça. Je vous parle plutôt des entreprises comme les grosses sociétés qui vendent des télés, des équipements informatiques, toutes ces choses-là qui font que c'est des équipements qui consomment toute la journée et ça envoie du pâté niveau consommation. Et moi, je me dis quand même, mec, on nous parle de moins consommer et eux, les télés sont allumées toute la journée. Donc, vous avez sûrement quelques idées de magasins en tête chez qui on va aller faire un petit tour parce que du coup, ce petit appareil sert tout simplement à éteindre les télés. On est sur une sorte de télécommande universelle. Tu appuies sur le bouton, tu la pointes en direction de la télé et bim, ça s'éteint. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, les petits exemples, ce que ça donne. Et n'hésitez pas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura une petite surprise, des petits bonus, parce que faut changer un petit peu de format de vidéo. Allez. Bah regarde. Après pour la porter, tu vois. C'est une machine à laver. Bon, on va tester là à gauche, regarde. Ouais. Mais toi, tourne. Par contre, lève l'écran. Ouais. Après, pour la porter, tu vois, c'est un peu le. Voilà. C'était folle. C'est drôle, hein. Tu veux tester? Non, c'est bon. Comme vous le voyez, ça fonctionne super bien. Attends, regarde. Regarde, regarde là. Les deux à gauche. Je crois qu'il y en a certaines, elles le comprennent en allumage. Ouais, parce qu'elles allumées, sont branchées. Voilà, genre de drôleries qui font bien kiffer. Donc voilà, on fait une nouvelle variante en termes d'expérience. Comme vous l'avez vu sur les télés, ça fonctionne franchement bien. Et je me demandais si par rapport au niveau des écrans comme ça en extérieur, si ça fonctionnait. Bon, je pense que ça ne fonctionne pas, mais on va quand même tester pour voir. Alors, le gros, comme on a vu en termes de distance, on est sur du 3, 4, 5 mètres proche. Je pense pas que ça fasse quelque chose. Ah, j'ai cru, c'est un switch. Bon, là, c'est sûr que ça fait rien. Mais là, je pense que c'est pareil en termes de technologie. Oh, ça aurait été quand même très étonnant que ça fonctionne. Mais bon, tant pis. Allez, la suite. Il faut que ce soit en contact direct. Hein. Parce qu'en fait, j'ai essayé à travers les vêtements. Wow, le shutdown. Ah non, ah non, non c'était peut-être... C'était la fume. Ça fait... Ça fera de la belle image. De ce que j'ai compris, c'est le petit système qui fonctionne juste en fait avec les LED infrarouges. Ouais, infrarouge, c'est ça. Et en fait, ça permet de d'éteindre sur commande toutes les télés. Et à droite. Et à gauche. Je fais caca. Tu fais caca là? Là-bas, dans, ouais. Dans le truc blanc. Et là-bas, c'est la douche. Ouais, c'est la baignoire. Non, alors vas-y. Salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour la vidéo. Ah putain, je fais de la merde. J'allais dire pour la 5e prise, ce sera que la 8e. Allez, on s'en bat les couilles.